Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 3 des meilleurs vélos électriques tout chemin de l'année 2020. Allez, c'est parti, nous allons commencer avec notre classement. Numéro 3, vélo McWheel Cruiser 550. Inspiré par l'esprit sportif et la nature, ce McWheel Cruiser 550 est idéal pour les balades, les randonnées et autres déplacements urbains. Avec des lignes harmonieuses et une intégration bien pensée de ses composants, il plaira aux personnes qui portent une attention particulière à l'esthétique et à une utilisation pratique de leur vélo. Son moteur brushless puissant de 250 watts offre un couple de 44 Nm pour une vitesse max de 25 km/h. Sa batterie haute capacité de 350 Ah, parfaitement intégrée au cadre, offre quant à elle une autonomie de 60 à 80 km en mode assistance et de 30 à 40 km en mode purement électrique. La charge de batterie complète prend entre 6 et 8 heures. Ce vélo de ville électrique est équipé de composants de haute qualité tels qu'un dérailleur Shimano, frein à disque Tektro, pneu Kenda, etc. Son cadre en aluminium permet quant à lui d'afficher un poids réduit et garantit une bonne durée de vie. Très bien équipé, il intègre notamment des feux à LED puissants, une fourche télescopique, un dérailleur à 7 vitesses, ainsi qu'une béquille et de grandes roues de 28 pouces. Ce vélo est homologué et dispose de la norme CE. Avantage, très bon rapport qualité-prix. Bien équipé et SAV de qualité. Inconvénient, pas de défaut constaté. Avant de poursuivre ce top 3, j'aimerais vous rappeler que toutes les caractéristiques et meilleurs prix de ces 3 vélos sont disponibles dans les liens en description de la vidéo. Numéro 2, vélo Urban Biker Vienna. La marque espagnole Urban Biker nous propose ici un vélo de qualité avec ce modèle Vienna. Cette nouvelle génération de vélos électriques offre une sensation de liberté et de contrôle à chaque mouvement. Il dispose d'une batterie de 48 volts et de 17,5 ampères-heure, très efficace, qui figure parmi les plus grandes autonomies du marché, avec une conception intégrée. Chaque détail a été pensé pour profiter d'une conduite agréable grâce à ses poignées ergonomiques. Pour plus de sécurité sur toutes les surfaces, il est équipé de pneus Hutchinson, spécialement conçus pour les longs trajets. Les freins hydrauliques Shimano permettent de profiter d'un freinage constant et efficace, qui offre une conduite plus sûre grâce à un contrôle total dans toutes les conditions météorologiques. L'écran LCD de 2,5 pouces offre 5 niveaux d'assistance et comprend un compteur de vitesse, un compteur kilométrique, des informations précises sur la vitesse et un mode marche de 6 km/h. Il est rétroéclairé pour une meilleure qualité d'image. La batterie lithium-ion intègre des cellules Samsung pour obtenir une meilleure autonomie, jusqu'à 160 km en mode éco, et permet de profiter d'un vélo plus léger. Le chargeur est également inclus avec le vélo. Son moteur de 350 watts développé par UBK Systems est puissant et garantit une bonne fiabilité ainsi qu'une bonne durabilité. Il est capable d'atteindre 50 Nm en garantissant une consommation efficace grâce au contrôleur FOC. Avantage, bonne qualité de construction. Bonne autonomie et facile à prendre en main. Inconvénient, tarif un peu élevé par rapport à ses concurrents. Si vous souhaitez plus de renseignements sur ces vélos électriques, vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques et meilleurs prix dans les liens en description de la vidéo. Numéro 1. Vélo McWheel Wrangler 600. Pour terminer ce top 3, ce modèle Wrangler de chez McWheel est conçu avec un esprit sportif et tout-terrain. Son cadre en alliage d'aluminium avec batterie intégrée a été rigoureusement testé pour garantir une haute qualité. Ce vélo électrique dispose d'un cadre robuste et d'une selle réglable, le tout pour une meilleure ergonomie. Comme son prédécesseur, il dispose d'un moteur brushless puissant de 250 watts et offre un couple de 44 Nm pour une vitesse max de 25 km/h. Sa batterie haute capacité de 350 Ah, parfaitement intégrée au cadre, offre quant à elle une autonomie de 60 à 80 km en mode assistance et de 30 à 40 km en mode purement électrique. La charge de batterie complète prend entre 6 et 8 heures. Ce vélo tout-terrain est équipé de composants de haute qualité, tels qu'un dérailleur Shimano, frein à disque Tektro, pneu Kenda, etc. Son cadre en aluminium permet quant à lui d'afficher un poids réduit et garantit une bonne durée de vie. Très bien équipé, il intègre notamment deux feux à LED puissants, une fourche télescopique avec blocage, un dérailleur à 7 vitesses ainsi qu'une béquille et de grandes roues de 28 pouces. Ce vélo est également homologué et dispose de la norme CE. Avantage, excellent rapport qualité-prix et bien équipé. Inconvénient, pas de défaut constaté. Nous avons sélectionné comme vainqueur de ce top 3 le vélo McWheel Cruiser 550 pour son excellent rapport qualité-prix, sa simplicité d'utilisation et son bon niveau d'équipement. Je vous invite à faire un tour sous la description de cette vidéo pour avoir accès à tous les liens et profiter des meilleurs prix que j'ai pu vous dénicher sur le marché. J'espère vous avoir aidé à faire votre choix et si c'est le cas, mettez un like. Et dites-moi en commentaire quelle est votre préférence parmi ces 3 vélos. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les top 3 des meilleurs produits high-tech. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo tech.